salut, ça va-tu? Yes, sir! Yes, sir! Bon, pour ceux qui suivent pas l'actualité, on est présentement en hiver. Et qui dit froid, dit mamelon dur. Et qui dit mamelon dur, dit dépression saisonnière. Et je dois vous avouer que je suis très, très déprimée ces temps-ci. Presque aussi déprimée que quand j'ai appris que Bibi avait pas de jambes, donc pas de pénis. Presque aussi déprimée que la fois où mon médecin m'a dit que ma voix avait fini de muer. Presque aussi déprimée que quand j'ai appris que je pouvais juste utiliser ma Divacop pendant mes menstrues. Mais à un moment donné, j'ai dit « Wow! C'est assez! » J'ai relevé mes manches de pyjama, j'ai enlevé mon bras de mon sac de bretzel et j'ai pris les choses en main. Enlevons les choses négatives, c'est-à-dire supprimons les photos de nos ex sur notre ordinateur. Pff, David! Moi, je dis plus de chandail, moins de chapeau! Il y a même son refill de chapeau ici, là, tu sais. Il m'a laissé parce qu'il me trouvait pas assez épicurienne. Hey, c'est pas de ma faute si le seul fromage que j'aime, c'est celui en graines. Delete! Lui, mes parents l'aimaient pas beaucoup. Delete! Oh, pas lui! Moi, les intellos, plus capable. Delete! Oh, Eric. Tu sais, il est full connu, là. C'est l'itinérant, là, à côté du McDonald's sur Papineau. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Gossant, là, tout le temps dans un coin de ma chambre à prendre du cristal meth. Mon cristal meth, il me restait ça! Il me trompe avec une poubelle. Delete! Le dernier que je vais vous montrer, c'est le plus trou de cul de la gang. Maxence. On s'est rencontrés en première année à l'Exoire. Je l'ai laissé en deuxième année parce que je me suis rendu compte qu'il m'utilisait pour vendre ses tétards en cours d'école. Delete! Trou de cul. Ah, ça fait du bien. En plus, maintenant, j'ai bien plus de place dans mon ordi pour des virus. Clé pour se sentir bien, c'est de vivre dans une maison propre. En tout cas, c'est ce que j'ai dit dans le châtelaine. Ok, j'ai pas lu, j'ai regardé les images. J'en reviens pas qu'il faut laver son bain. Hey, le cave, c'est toi qui es supposé de me laver, pas l'inverse! Je me souviens, là, quand j'étais petite, je voulais une grosse maison. Maintenant, je suis juste genre un lavabo, une toilette, un lit. Dans le fond, je serais vraiment plus heureuse en prison. La façon de se recrinquer quand on est déprimé, c'est de se faire des petits soins de beauté. Attention, le feu, je suis chaud, je suis dangereux. Hein, pas pire, hein? C'est mon maillot de bain magique. Parce que quand je le mets, le pénis de mon chum, il rampe par en dedans. Ah, je suis bien. Vous avez pas dit que j'avais un bain tourbillon? Un truc aussi pour se détendre, c'est d'écouter de la musique relaxante. Bon truc pour prendre soin de soi, c'est la luminothérapie. Peux-tu la brancher, s'il te plaît? Non! Vous voulez pas que j'aille mieux? Quand je suis déprimée, je fais juste un peu jouer avec mon chien Chantal. Ça me calme. Aidez-moi tes bébés. Non! C'est moi qui l'ai payé! Écoutez des bons films drôles avec votre animal, ça fait du bien aussi. Je vais te brûler la langue! Je vais te brûler la langue! C'est Jackass, mais genre vraiment obligé, là. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager. Hein, je m'en viens pas pire comme influenceuse. Même qu'il y a une petite compagnie québécoise qui m'a donné des bracelets puis je suis obligée de les porter. Un bracelet d'hôpital. Quoi? Well, I guess it would be nice.